Il y a quelques heures, Fabrice Deville a partagé sa terrible douleur. L'acteur de la série Un si grand soleil a dévoilé que son frère est décédé. Un frangin dont il semblait très proche et à qui il ressemblait beaucoup, comme on peut le voir grâce à une photo partagée sur les réseaux sociaux. Fabrice Deville, célèbre acteur de la série Un si grand soleil, vient de perdre un être cher, son frère, comme il l'a annoncé il y a quelques heures sur son compte Instagram. L'interprète de Florent Grasset dans le feuilleton a aussi partagé une photo de son frère chéri et lui. Ne pouvant pas prévenir tout le monde, mes amis, ma famille, je vous annonce que mon frère chéri, Laurent, nous a quittés ce soir. Il rejoint maman et tant d'autres. Il sera bien accueilli, je ne suis certain, et il pourra veiller sur nous. Tu me manques déjà terriblement. Paix à ton âme, mon frère que j'aime, a-t-il écrit avec un émoji cœur. Il n'a pas précisé les circonstances de ce tragique décès. Ces mots sont aussi accompagnés d'une photo déchirante sur laquelle il pose avec Laurent, et leur complicité et leur ressemblance est frappante. Des stars et des anonymes soutiennent Fabrice Deville. Il a aussi partagé la terrible nouvelle en story de son compte Instagram et a obtenu de nombreux messages de soutien, comme celui de Sarah Mortensen, mon Laurent. Mon Fa, a-t-elle écrit avec des émojis cœur brisé et des mains qui prient. Nathalie Lecoutre, femme de la vie de Jean-Luc Reichmann, laquelle travaille notamment pour la fiction Léo Mattei, a aussi réagi. Pense fort à toi Fabrice. Je t'embrasse. Un de ses enfants apparemment a aussi tenu à lui écrire, je t'aime fort, mon oncle chéri. Je suis sûr que Moma sera là pour toi là-haut pour que tu te sentes bien. Ce à quoi Fabrice Deville a répondu, merci, mon amour. On sera fort face à cette épreuve. Les drames enchaînent pour Fabrice Deville. Il avait révélé en février 2023 au magazine Nous Deux être orphelin depuis peu. Il pourra sûrement compter sur le soutien de sa très discrète épouse dont il ne parle presque jamais et de ses quatre enfants, trois garçons et une fille qui eux aussi doivent souffrir. Concernant sa famille, il avait fait quelques confidences en 2021 au magazine Closer. J'ai une forme de vie de célibataire, alors que je suis mariée, avec quatre enfants. Ma femme, qui est orthophoniste et dans la communication, me permet de profiter de cette part de liberté depuis 1995, quand j'ai débuté en tant que comédien. Ce qui préserve notre équilibre. Nous lui adressons toutes nos condoléances.